Allez, salut tout le monde, c'est Rentisha et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 4 de mon Let's Play 100% sur The Legend of Zelda Skyward Sword. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien. Alors là, ça risquerait d'être très fort. Voilà, ça risquerait d'être très fort. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 de notre Let's Play 100% sur The Legend of Zelda Skyward Sword. Alors, j'ai réussi à trouver une petite façon de faire au niveau du casque. En gros, j'ai réussi à enrouler un truc qui permet de le tenir un peu intact. Donc, du coup, voilà, normalement pour vous, ça devrait pas poser de problème. Donc, on se retrouve enfin pour l'épisode 4 de ce jeu. J'espère quand même que vous l'attendez tous. Alors, dans cet épisode, souvenez-vous, dans l'épisode précédent, voilà, dans l'épisode précédent, nous avons exploré le Salesbourg, tout simplement. Et donc dans cet épisode, on va continuer d'explorer Salesbourg parce qu'on a des maisons dans lesquelles on n'a encore pas été. Et surtout, on doit chercher notre Célestrier parce que souvenez-vous, il est malheureusement il est perdu. En tout cas, il reste introuvable. Et malheureusement, il faut trouver en tout cas une cause pourquoi il est introuvable, le trouver. Interroger les gens, enfin enquêter en tout cas. Et du coup voilà, donc je suis désolé les amis. Re tout le monde, donc normalement c'est bon au niveau du casque, voilà, parfait. Donc écoutez les amis, on se retrouve enfin pour cet épisode. Donc on va directement c'est parfait. Donc dans cet épisode, écoutez, on va continuer à explorer. Donc on avait fait pas mal de bonnes petites choses. On va continuer, donc il nous manque d'entrer dans quelques petites maisons. Donc surtout, bah en fait, il manque d'explorer que ce côté, en tout cas, du village. Enfin, de l'île, en tout cas. Et écoutez, on y entre dans la première maison de l'épisode. Donc, il me manque une barre. J'espère que j'en aurai assez parlé. Oh, bonjour, Rentichai, comment vas-tu? Tu n'aurais pas aperçu ma petite Nastia par hasard? Elle n'arrête pas de se sauver, et je dois courir partout pour la retrouver. Tant qu'elle n'aura pas eu une bonne frayeur, elle ne comprendra pas. Ce serait pas la fille qui est dehors, qui est en train de se balader? C'est peut-être elle. Ou peut-être une quête secondaire à faire, alors, maintenant. On va un petit peu explorer. Bon, il n'y a pas rien de spécial, elle est venue dire la même chose, pareil. Ça ne fait pas se fouiller dans les affaires des gens. Donc là, voilà. Ça ne se fait pas. J'ai compris. On part. Enfin, j'espère que j'aurai assez de batterie au niveau de la Wiimote pour tenir 20 minutes de la vidéo, parce que je vous avoue que je serai totalement dans la merde. Je vous avoue que, vraiment, je serai dans une panade. Total. Et donc du coup voilà, ouais, on va parler. Bonsoir toi, c'est ma maison là, tu vois. Je jouais encore avec mon ami aujourd'hui. J'aime bien jouer avec moi. Enfin, bien jouer avec moi, comme vous m'avez compris. C'est tellement hardcore à comprendre que voilà. Donc écoutez, on va soulever les citrouilles pour pouvoir directement choper, s'il y a des rubis dedans, des rubis. Y a pas l'air d'en avoir en tout cas. Un rubis déjà, c'est pas mal. 5 rubis. Hop. Et normalement, combien? Ok, c'est 0. 0, ok. Donc, on va explorer le reste de l'île. Donc là, on avait exploré. Donc on continue. Et puis on partira dans la prochaine direction. J'essaie de surveiller parce que j'ai mes chatons en haut qui d'ailleurs je vous mettrai une petite photo qu'ils ont déjà été nés, ça fait déjà un mois maintenant là où je vous parle, un mois et demi. Donc du coup il faut que je les surveille un petit peu pour éviter qu'ils se fassent mal ou qu'ils se fassent des petites bêtises ou quoi que ce soit. Donc en fait ils sont en haut, mais je veux dire que j'ai peur qu'ils viennent en bas, et vu qu'il y a des chiens, perso c'est pas très... j'ai des chiens qui sont en général... Enfin mes chiens en tout cas sont généralement pas très accueillants. Voilà. On va dire ça comme ça. Grotte de la cascade. Attention aux chauves-souris. Entrée interdite aux enfants. D'accord.
Vous avez bien entendu? Vous avez entendu le bruit en fond? Énorme! Le bruit d'ambiance de grotte. Énorme. En fait, maintenant, la barre d'endurance dans les jeux, maintenant, j'arrive à m'y faire depuis Breath of the Wild que je suis en train de vous faire. Donc, du coup, il y a qu'au début, ça m'a posé énormément de problèmes où j'arrivais pas à la gérer du tout. Et du coup, ben, maintenant, j'arrive parfaitement à la gérer. Donc, écoutez, c'est pas trop mal. On va voir un petit peu ce qui se trame en haut et puis on va s'arrêter. Enfin, on va s'arrêter. En tout cas, on va continuer. On va s'arrêter d'explorer l'île pour le moment. Est-ce que ici j'ai fait? Oui, normalement, ici j'avais fait. Donc, voilà, ben, écoutez. On part directement pour notre quête principale. Donc on va se rendre. Bah on va parler aux seules personnes qu'on n'a pas parlé d'ailleurs. Voilà. À eux on ne leur a pas parlé du tout. Donc on y va. J'espère que ça va tenir hein, le truc de la batterie. Ça n'a pas été aussi simple que prévu, hein, boss. Ouais, c'est sûr que ce célestrier vermeil, c'est un dur à cuire. Mais même ce piaf de compétition aura bien du mal à se sortir de là où il est. Oh, je suis en train de me dégourdir les jambes. Oh boss, il y a quelqu'un derrière toi. Hein? Quoi? Oh. Je vous avoue que je me suis trop gavé. Wow, Ratichai, ça fait combien de temps que tu es là? Je me demande ce que tu viens faire par ici. Ah, je sais, la chevauchée céleste, c'est aujourd'hui, non? Tu es venu pleurnicher devant le grand Ergo pour qu'il te laisse gagner. Voilà pourquoi tu es là. Tu meurs d'envie de te retrouver en tête à tête avec la princesse Zelda pour la cérémonie de la statue de la déesse. Je comprends. Désolé, mais le grand Ergo est incorruptible. Qui sait, avec un peu de chance, t'arriveras peut-être au deuxième. Mais au fait... Je le vois nulle part! Topo les frites sur SketchUp! Où est-ce qu'il peut bien être? Il se reste pas égaré quand même! Alors, on reste. Est-ce qu'on reste. Au cas où on reste crédule, je vais gagner. On reste. En tout cas, on reste dans le hors sujet et qu'on dérive en autorédérision le sympa de ta coupe. Ou sinon, on reste dans la recherche de mon oiseau. Enfin, en tout cas, on reste dans mon dans le truc. Rends-moi mon oiseau. Enfin, en gros, on dit que c'est lui, c'est fini, quoi. À votre avis? Perso, je serais tenté par le complimenter. Et non aller dans l'affrontement. Parce qu'on va dans l'affrontement pour un type, un genre, on va dire pour le rendre, surtout pour flatter son ego. Ça serait pas mal de sympa ta coupe. Mais après, au cas où, flatter son ego veut dire également un truc qui n'est pas aussi possible. Du coup, flatter son ego peut être aussi signifié de foutage de gueule. Donc, quand on dit sympa ta coupe, c'est peut-être du foutage de gueule. Donc, du coup, on pourrait dire ça juste pour se foutre de sa gueule. Allez, on va se foutre de sa gueule. Sympa ta coupe. Quoi? Tu mets en doute mon sens de l'esthétique? Tu te crois tout permis parce que t'as grandi avec la princesse Zelda et que t'es son chouchou? Tu passes tout ton temps à te la raconter, à parader devant tout le monde. Et si tu t'apprenais un peu à te comporter correctement, hein? C'est les types de ton genre qui salissent nos noms dans fière école de chevalerie. Qu'est-ce que j'entends? Oh. Oh merde, dans sa tête il devrait passer ça. Oh merde. Zelda, je sais. Ergo, tu as mis encore Ratichai? En tant qu'élève de l'école, tes chevaleries, nous sommes tous camarades. Pourquoi t'as chanté sur Ratichai? C'est-à-dire que... Ouais. Je t'écoute. Non, rien. Bon, à plus, Ratichai. Je te rappelle que si tu participes à la chevauchée, tu n'auras pas d'année. Si tu participes pas à la chevauchée, tu n'auras pas ton année. T'as
qu'est-ce que tu vas faire si tu ne retrouves pas ton Rogoro préféré? Rougeo préféré, peut-être. Rogoro, c'est une autre façon. Enfin, c'est une autre chose. C'est une autre chose, pas une autre façon. Ce sont peut-être bien ces trois-là qui ont enlevé ton célestrier. Mais si ce sont bien des coupables, ils n'auraient certainement pas l'avoué. Il va falloir chercher par nous-mêmes. Redichai, je vais commencer à chercher ton oiseau dans le ciel. Et ne t'inquiète pas pour la chevauchée céleste. Père a parlé au maître Yulu. Le départ devrait être retardé. A plus. Imagine que son célestrier, elle aussi, elle vient pas. Imaginez, là on se retrouve pour un fin de game. Game over, c'est fini. Bon, on sait qui est le coupable de nos célestriers. Il nous l'a pas avoué, mais en tout cas, on a pu le supposer. Et au début, il nous l'a un peu avoué, il nous l'a un petit peu dit. Enfin, en tout cas, il nous l'a pas dit à nous, mais il a dit pendant qu'il barbardait avec ses collègues. Donc du coup, on doit essayer de on va dire, il faut essayer de trouver une façon pour qu'il l'avoue. Donc, je sais pas quoi faire. Donc, vu qu'ils ont parlé de mettre Yulu, peut-être retourner à l'école de chevalerie. Célestin avait l'air d'en savoir un petit peu quelque chose, parce qu'il était quand on lui avait parlé, il était très mal à l'aise, dû à la question qu'on lui avait posée. Et du coup, je pense qu'il faudrait s'y rendre pour essayer de lui en tirer quelques petits mots, pour savoir si, en tout cas, il pourrait nous en dire un petit peu plus sur notre célestrier, et en tout cas, qui est resté perdu à jamais actuellement. Donc, écoutez, on va descendre, Alors, le petit bug en passage, on souligne la main de Link invisible, enfin, dans le mur. Vous avez obtenu un cœur, chacun d'eux, un concentré d'énergie régénératrice qui restaure votre énergie d'un jauge d'un vide d'un cœur. Hop, je surveille mes chatons, c'est pour ça que j'arrête. Les amis, je suis désolé, mais moi, mes chatons, c'est ma priorité, bien entendu. Et voilà! Vous avez attrapé une lucarne de bourg. Voici un insecte très populaire parmi les enfants de Célestbourg. Mais attention, au doigt, ça pince. On dirait, je suis un Maxime Guigny, quoi. Maxime Guigny sans le vouloir. Bon, lui, il joue un rôle, moi, je joue pas un rôle. Donc, ça veut rien dire, moi. Dites-vous que je suis autant fou dans la vraie vie, hein, donc. Dites-vous que je suis pareil dans la vidéo que dans la vraie vie. Donc, au moins, vous avez aucune supposition. On va aller voir Célestin. On va quand même sauvegarder parce que j'ai pas envie de me taper la cinématique. Si ça plante. Enfin, en tout cas, c'est mon truc plante. Bon, il faut que je copie en tout cas mes données. Par contre, il faut pas que j'oublie. Parce que si la vidéo, malheureusement, devrait être plus. Serait plus de manière à fonctionner, ça serait con. Ça serait vraiment très con. École de chevalerie. Oh merde, il est où? Attendez. Ah merde, il est où? Oh, là-bas, il y a la mère de Nicolas Sarkozy. Il est où le... Il est où? Ah! Elle a changé d'emplacement. Comment? Où est-ce que Agor aurait pu y aller? Qu'est-ce qu'ils ont encore fait, lui, et ses sous-fitres? Je sais pas où il se cache. Attends, mais qu'est-ce que je parle de... Je sais pas où il se cache, et peut-être que Kiko sait quelque chose. Justement, je crois qu'il te cherchait. Il est près de la salle d'escrime, je crois. Ah! La salle d'escrime, normalement, elle était à côté de la école de chevalerie. C'est la seule bâtisse qu'on a, on n'a pas vraiment véritablement exploré. Donc, on va sortir, on va aller s'y rendre, hein, si on doit aller vers Kiko. Il est là ou pas? Ah! Avec Célestin! Ah ah! Redichai, tu tombes bien. J'ai mené ma petite enquête sur la disparition de ton célestrier. Quand j'en ai parlé à Célestin, il a fait une drôle de tête, donc je lui ai tiré les verres du nez. Je suis désolé, Redichai. Je voulais tout te raconter, mais si Argo apprenait que je t'en ai parlé... Visiblement, Ergo s'est arrangé pour le faire taire. Allez, à vous maintenant. Tout à l'heure,
Quand je faisais le ménage à la cantine, Ergo et sa bande sont arrivés. Au début, ils ne m'ont pas remarqué. Ils ont commencé à complotter pour cacher ton célestrie quelque part. J'ai voulu quitter la cantine pour aller te prévenir, mais Ergo et sa bande m'ont repéré. Ils m'ont dit que si je te disais quoi que ce soit, ils feraient en sorte que je ne puisse plus jamais chevaucher d'oiseaux. Il semblerait qu'Ergo et ses acolytes ont émis au point un plan pour capturer ton oiseau et le cache vers la cascade. Ah ! L'endroit où on ne pouvait pas y aller. La cascade se trouve, fais-moi voir ta carte. Oui, bon, on sait, on a exploré, donc... Bah voilà, c'est bien pile là où on l'a souhaité. Regarde, c'est ici, c'est la cascade, indiquée par une croix. Donc c'est ici, hein, pour les gens qui l'auraient peut-être pas vu. C'est ici. Oh, ça c'est quoi ça? Cimetière. Ah, c'est les points. Cimetière, tour de lumière, grande place. Maison d'Iron et Kiné. Maison de Pavel, gérant de la cousine, marchand. Maison de Jonah. Ah, c'est tous les trucs qu'on a, maison de la... C'est tout ce qu'on a ouvert. Et quoi, chevalerie? Ça d'escrime? Ça tue de la déesse. D'accord, c'est intéressant. Tu sais comment on consulte la carte? En appuyant sur plus à tout moment. Tu peux afficher la carte ou à l'endroit où tu te trouves. Donc, quand tu es perdu, appuie sur plus. Pardon, Rintichai, je suis comme Poltron. Je suis vraiment désolé. Je vois rien. Eh ben dis donc, on a pu en tirer des vers du nez de lui. Hein? Ça me morveux, va. T'aurais pu me le dire avant. Bon, c'est compréhensible. Ils ont menacé de dire... l'a menacé, donc il pouvait rien faire. Et quand on se trouve dans la vraie vie, dans cette situation, malheureusement, on va pas pouvoir faire grand-chose. Je pense que dans la vraie vie, vous retrouvez de la même situation que ce qui s'est retrouvé, du coup... What the fuck? Ok. Du coup, voilà, quoi. Donc c'est compréhensible, en tout cas. Bon, on va aller se rendre à la salle d'escrime, d'ailleurs. On y est, donc pourquoi pas. Là, y a rien du tout. C'est bizarre ici, quand même. Salle d'escrime, on y va. Et d'ailleurs, on va pas tarder à arrêter l'épisode. Salut, Rintichai. C'est aujourd'hui le grand jour de la chevauchée céleste, non? Quoi? Tu veux t'entraîner à l'épée? Très bien. Va te chercher une épée dans la pièce, au du fond. N'hésite pas à revenir me poser des questions. Je reste ici. En fait, des fois, je fais des trucs hyper aigus quand je veux faire des voix graves. C'est un truc qui casse malheureusement le truc. Et ça, je m'en rends compte. Il faudrait que je m'entraîne. Ouvrir. On va ouvrir notre premier coffre du jeu. Voilà la belle cinématique. Vous avez obtenu une épée d'entraînement. Elle est utilisée lors des cours d'escrime à l'école de chevalerie. Elle a un bon tranchant. Appuyez sur 1 à tout moment pour consulter votre inventaire. Ah ben, on va aller voir. Eh hey, épée d'entraînement. Épée utilisée à l'école de chevalerie lors des cours d'escrime. Elle est assez tranchante. D'accord. C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? The fuck? Ok, d'accord. Oh, ok, bon. Anyway. On a l'épée. Ah oui, c'est vrai que maintenant ça joue à la Wiimote, ce truc. Donc en gros, par exemple, si je veux donner... Regardez, là, c'est moi qui... Dites-vous que ce que Link est en train de faire, c'est ce que je fais dans la vraie vie. Dites-vous. Enfin, je suis pas debout, je suis assis. Mais dites-vous que ce que fait Link là, comme là, c'est moi qui tourne le poignet aussi en même temps. Là, je viens de donner un coup, donc en gros, je fais donner un coup de sec. Vous avez vu? L'attaque circulaire, bon, heureusement, il faut pas tourner autour de soi-même. Vous faites juste... Moi, j'appelle ça... J'appelle, en gros, le balancer. En gros, je mets mon Wiimote et Manuchuk vers mon ventre. Et une fois ça, je balance vers l'avant. En gros, je mets Manuchuk et ma Wiimote vers mon ventre. Et après, coup sec vers l'avant. Voilà, c'est comme ça que je fais. Oh oui! Oh, tu veux comment savoir utiliser ton épée? Oui! C'est très facile! Il te suffit de donner des coups avec la télécommande Wii pour donner des coups d'épée. Donne un coup vers le haut, le bas pour trancher verticalement. Et un coup de côté pour trancher horizontalement. Donne un coup de télécommande Wii vers l'avant pour exécuter un coup d'estoc. La technique d'attaque la plus efficace est l'attaque circulaire. Il faut donner un coup simultanément avec la télécommande Wii et le Nunchuk. Ces trois techniques sont indispensables au combat, mais n'oublie pas non plus des mouvements de base. Par exemple, cibler les ennemis avec Z, appuyer sur Z dès que tu aperçois un ennemi. Tu devrais t'entraîner sur ces troncs d'arbres. Si tu as des difficultés à diriger ton épée, commence à pardonner quelques coups d'épée à la verticale, bien devant toi. Si tu parviens à couper tous les troncs je te ferai essayer une technique avancée.
Mais écoutez, on va couper, donc on va faire tous les troncs. Hop. Donc coup d'estoc, coup diagonale à la verticale, par la droite, coup, par la droite, coup diagonale à l'horizontale. L'autre c'est à l'horizontale aussi. Donc écoutez, voilà, ici coup totalement horizontal et ici coup à la verticale. Félicitations, Radishai. Quel talent! Je suis très fier de toi. Tu veux essayer l'attaque circulaire maintenant? Oui. Bon, tu dois maintenant couper tous les troncs qui t'entourent, sans bouger de là où tu es. Donne un coup sec avec la nunchuk et la télécommande Wii simultanément et dans la même direction horizontalement. Vas-y, essaye. Donc, vers le ventre et on balance tout. Superbe. Waouh, je suis époustouflé. Tu sais manier une épée, c'est le moins qu'on puisse dire. Tu veux essayer le coup de grâce maintenant? Oh oui. C'est stylé ça. Alors, quand ton ennemi est à terre, cible-le avec Z et donne un coup avec le Jutsu et la télécommande Wii pour assigner le coup de grâce. Vas-y, tranche le tronc puis lorsqu'il est à terre, assigne-lui un coup de grâce. Hop, horizontal et bim. En gros, je mets ma Nunchuk qui est ma Wiimote vers le haut, pas totalement vers le haut, au niveau de ma tête. Après, je donne un coup vers le bas. Extraordinaire! Tu peux utiliser le coup de grâce après avoir mis un ennemi à terre avec ton bouclier ou une attaque circulaire. Mais en combat réel, tes adversaires ne restent au sol qu'un coup restant. Alors, il faut vite agiter les segments de lui et nos deux Nunchuk simultanément. D'accord, ben enfin, nous avons fini. Hé, Radishai! Il est interdit d'emmener des armes à l'extérieur de la salle! Tu croyais que je m'en apercevrais pas ou quoi? Comment? Ton célestrier est introuvable! Tu veux partir à sa recherche? Bien entendu! Cependant, Célestbourg est un village pacifiste et seuls les chevaliers sont autorisés à y porter l'épée. C'est la règle! Alors, n'utilise pas cette épée à tort et à travers. Tu ne dois t'en servir qu'en cas d'extrême nécessité. Et entraîne-toi, bien sûr, sur les troncs d'ici. Compris? Pas de problème. Et ça, en gros, ça sera un truc que quand on aura un bouclier plus tard, on va pouvoir en gros l'esquiver. Regardez, c'est comique. Regardez ce que je vais faire. Bim. Vous avez vu, on peut s'enchaîner. Attendez. Bim. Bim. C'est marrant, non? Bon, ça m'éclate que moi, je sais, mais bon, écoutez. Voilà les amis, on en a fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, merci de l'avoir regardé. On va se quitter, tout simplement, on va sauvegarder. On va un petit peu parler, je sais pas si tu veux nous dire d'autres choses. Laisse-moi te donner un conseil, avant de te rendre dans un endroit dangereux, prends l'habitude de sauvegarder en faisant une prière à l'ASTS. Les statues où tu peux prier sont indiquées sur ta carte, alors jette-y un œil de temps en temps pour ne pas te perdre. Ok, et le petit con là, il veut quoi? Radishai, tu pourras le retrouver, attends, je suis qu'un misérable, pardon. Bon. En même temps, c'est compréhensible, parce que je vous avoue que vu qu'il a été menacé, et du coup, bah oui, ça l'avait vu, vous êtes menacé, peu ont le courage d'aller dire à la police quand même, par exemple. Donc voilà, c'est compréhensible. Hé, petit gars, j'essaie de trouver une voix. Hé, petit gars, viens voir donc par ici. Viens voir par ici. C'est bizarre de dire ça. Moi, je suis Pierre Sheikah. Salutations, enchanté, tout ça. Ok, voilà le topo. Je pense que dans les prochains jours, tu vas souvent te retrouver à galérer et à tourner en rond. Si jamais il y a une énigme que tu n'arrives vraiment pas à résoudre et que tu as besoin d'avancer, viens me voir. Pour l'instant, j'ai rien à te montrer. Mais plus tard, j'aurai des trucs intéressants pour toi. Allez, mon courage, petit gars. D'accord, c'était très intéressant. Donc merci les amis de m'avoir suivi pour cette vidéo. On va tout simplement récupérer notre lucarne de pour qui est normalement à droite. Parfait. Nickel. Et un rubis de 5. Et un rubis de 5. Et... Ok, bon, la RNG, elle était quand même de notre côté. Elle dit rubis, c'est parfait. Les amis, on va sauvegarder. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de m'avoir regardé pour cette 4e vidéo sur ce jeu. On se retrouve donc très vite pour de prochaines vidéos. Dans la prochaine vidéo, ben, on continuera tout simplement. On ira même dans la grotte, à la cascade. Pour y retrouver notre célestrier, et puis plus si on a le temps. Donc voilà, donc d'ici là, portez-vous bien, ciao tout le monde, et peace !